J'espère que ça va servir de leçon à toutes les personnes qui font ces choses sur Facebook en train d'insulter les gens, en train de faire des choses, n'importe quoi. Ça va les servir de leçon. Et puis maintenant, je vais donner un conseil maintenant au passage aux vendeurs, à nos soeurs qui vendent là. Bon, essayez d'avoir un email. Voilà, un email où vous allez collecter les contacts de vos différents clients. Si jamais Facebook a un problème ou WhatsApp a un problème, vous avez d'autres moyens de contacter vos clients. Essayez de créer un site internet. Avoir un site internet ou avoir un autre réseau où vous pouvez échanger avec vos différents clients. Parce que si Facebook est mort là, ils seront plus célèbres. Ouais, célèbres, il y a la banque, quoi. Ils auront plus de visibilité. Ils seront tellement traumatisés. La combattant. Anyway, c'était ça. Salam. Bonne nuit. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, oui. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum, c'est Mouna, madame. Bienvenue. Donc, Facebook avait un petit problème. Mais, alhamdoulilah, je pense que c'est résolu. Maintenant, le problème est résolu. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était que. Il y a une dame qui travaille sur Facebook, elle a cassé un papeau. Voilà, elle a cassé un papeau du genre que elle a mis des documents ensemble. Elle a dit aux gens au gouvernement que Facebook promouvoir plus les vidéos à clash. Et puisque c'est pas faux, c'est la vérité. Facebook promouvoir plus les vidéos à clash. Donc elle a dénoncé ça. Non, c'est pas. Donc maintenant, le gouvernement maintenant promet que Facebook, maintenant vous demandez, mais Facebook, qu'est-ce que tu fais comme cela? Qu'est-ce qui se passe? Facebook dit bon. Hey, moi j'ai de la visibilité. On veut que les gens durent sur les vidéos. C'est comme ça que nous gagnons au moins. Facebook dit, il veut que les abonnés, les gens qui vivent. Donc Facebook dit qu'il lui, son but, le but de son Facebook, il y a le but de sa création là. C'est pour que les gens passent plus de temps là-dessus. Plus les gens passent de temps sur Facebook, plus ils se font de l'argent. Quand ils peuvent voir les vidéos qui parlent de. Oh, l'attente, l'amour, et la piété, Dieu, et des enfants, les enfants, et tout ça. Les gens ne regardent pas, les gens ne sont pas intéressés par ça. Mais quand il y a des vidéos à émotion négative, surtout même, les gens sont plus attachés à regarder. Donc, eux aussi, quand ils voient une vidéo à émotion, une vidéo à insulte, là, ils promouvent ça plus. Les gens s'assoient des heures, et regarder, et leur but, c'est ça. Bon, non, c'est pas bon. Donc maintenant, on les a donné un petit bobo. Bon, c'est pas comme la fête est terminée, mais on est créé la parole depuis ce matin. Ça, je me suis donné en plus de la veille le matin. Depuis vers les 12h30, c'est là que ça a commencé. Maintenant, là, il est 20h. C'est mieux maintenant, quoi. On va voir si ça va continuer comme cela. Je vais donner un petit conseil à. Parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis 14, depuis 15 ans. Surtout YouTube, depuis 15 ans, moi, je suis là-bas. Facebook, c'est pas trop mon truc, quoi. Facebook, je mets des vidéos là-bas comme cela. C'est pas trop mon truc. Je suis plus. Moi-même là, bon. Franchement, ce que je pourrais, c'est vraiment apprendre. Moi, je vais sur les réseaux sociaux. C'est pas là apprendre. C'est pas pour aller faire des vidéos. Parce que non. Mon but, c'est là apprendre. C'est quand il y a quelque chose qui me plaît, qui est utile, je partage. C'est ce que je fais. Bon, un conseil pour les soeurs. Hein? Les soeurs qui sont un peu, moins femmes. Les mamans de Facebook, là. Avec les vendeuses de Facebook, là. Un conseil pour vous. Essayez d'avoir un site internet et puis une adresse email où vous pouvez vraiment collecter ou échanger vos différents emails avec vos différentes personnes. Là, c'est un bon sujet. Là, vos clients peuvent vous joindre. C'est très simple. Créez un site internet, vous pouvez payer, c'est pas gratuit. Créez un site internet. Avec ça, maintenant, vous pouvez mettre vos images, vos différents habits que vous vendez, les différents bijoux que vous vendez. C'est là, c'est un problème qu'on sait là. Vos clients, différents clients peuvent vous joindre. Sur votre site Facebook, est votre seul moyen d'échange avec vos clients. C'est un problème. Une vendeuse ou un vendeur ne doit pas avoir un seul moyen de communication avec ses clients. C'est pas bon. Moi, j'ai plusieurs moyens de communication avec mes personnes. Bon. Voilà, j'ai plusieurs. Bon, même là, si Facebook se casse le matin, c'est pas mon problème. Si ça se casse le matin, c'est pas mon problème. Parce qu'il y a d'autres moyens de communication. Moi, j'ai d'autres moyens de communication. Il y a Viber, il y a Snap, il y a Viber. Il y a Viber, c'est pas lié à Facebook. Ce qui s'est passé, ceux qui étaient liés à Facebook là ont eu des problèmes. Voilà, donc Instagram est là, Facebook, Instagram avait des problèmes. WhatsApp est là, Facebook avait des problèmes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller d'autres choses que vous avez dans Facebook. Et puis, essayez d'aller souvent là-bas, vous pouvez vous direct là-bas. Mais si vous avez deux vues, au moins, vos clients savent que vous êtes là-bas. Donc, allez-y voir ailleurs, quoi. Allez-y explorer d'autres endroits. Fâchez-vous un peu, en créant notre propre Facebook. Fâchez-vous.
fâchez-vous. On va créer notre propre Facebook, on va créer notre propre YouTube pour qu'on puisse vraiment, faire d'autres choses aussi. Et ça va faire now, ok? Fâchez-vous, on va créer notre propre Facebook, on va créer notre propre YouTube, on va en raconter quoi. Ok, c'est votre tour. Ok. Bon, c'était pour vous dire ça. Salam. Faites ta vie un peu fatiguée. Salam. Bye. J'étais célèbre sur Facebook. Là, j'ai eu peur. Je me suis comme ça. Parce que les célébrités avaient tiré à sa fin. Hein? Tous les gens étaient célèbres sur Facebook. Là. Tous les vendeurs des gens de Facebook. Là. Tous les gens qui montaient sur Facebook. Là, j'ai eu peur. Parce que les célébrités avaient tiré à sa fin. Vous avez vu. Bon, je vais vous laisser. Salam.